matin sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Hein. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi hein, sur les réseaux sociaux. Avec plaisir, hein, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. L'émission continue évidemment. Ben, cascade de stars dans notre émission ce matin. Avec une voix, avec un personnage, une légende, j'ai envie de dire. Il est avec nous hein, ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Je fais honneur évidemment à Mme Yoro d'annoncer qui est avec nous ce matin, Mme Yoro. Dia, est-ce que je peux commencer? C'est ah ben non. Je voulais lui dire quelque chose. Moi, je voulais qu'il me donne le secret. J'ai l'impression qu'il est intemporel, il ne change pas, il ne vieillit pas. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-nous le petit secret. C'est le manque de moyens. J'ai pas le moyen pour dire. Sigrid à l'honneur ce matin dans notre émission. C'est bien. Bonjour. Bonjour mon grand, comment va? Ça va très bien, Dieu merci. Merci de nous rejoindre dans cette émission. C'est un grand plaisir pour moi, vraiment. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, vous avez une voix rock. Je ne savais pas, parce que quand je vous entends chanter, ouais. Vous êtes plutôt dans le soprane, les aigus, et c'est plutôt très bien. Je voulais commencer pour dire ceci. Mm-hmm. Je suis pas. Moi, je suis fan hein, de voix, je suis fan de culture, mais même si je ne comprends pas les mots, tous les mots en malinké en tout cas, sachez que moi, je vous ai bu. Wow. Oui, wow. De sa musique. Ouais. Ce monsieur est... Parce que je l'ai vu dans Africando avec ses grandes images, ses grandes figures de la culture. Je savais pas du tout qu'il était fan comme ça. Wow. Oui, mais Salif Keita fait du chemin. C'est vrai, on peut en dire ce qu'on veut. Mais la voix de ce monsieur est une voix unique. Elle est limpide, le un de nos voix. Il n'y en a pas. C'est une voix fluide, mais totalement fluide. Je pense que Dieu la préserve pour cette beauté-là. Elle est apaisante. Elle est belle, c'est vraiment un grand artiste que nous avons le plaisir de rencontrer ce matin. C'est ma première fois de le rencontrer comme ça. Voilà. J'ai nourri le rêve de le rencontrer et de pouvoir lui dire, je suis un méga grand fan de ce que vous faites. Je t'embarque désormais. Je vraiment, vous le dire. Bravo, bravo. C'est la première fois qu'on se voit également. Ouais. Voilà. Je l'ai vu, pardon, avec Youssou N'Dour, parce que je le suis, hein. Ce concert, vous aviez Youssou N'Dour vient et fait. Et puis il y a cette voix guinéenne. Et puis la guinéité me monte à la tête. Je dis, mais lui, c'est. Oh là là, je suis gâté sur mon téléphone. C'est pas la même. Il est impressionné. J'ai jamais vu. C'est vraiment. C'est ce qui est en train de se passer là. S'il était trois mois, on allait le dire à Djibagaté. Les grandes gueules. On peut faire toute une émission sur les éloges. Évidemment, ouais. Et c'est bien qu'il le fasse maintenant, évidemment. On peut faire toute une émission sur les éloges que nous avons pour Sékouba Bambino. Monsieur Sékouba Bambino Diabaté. Et Madame Yoro posait tout à l'heure la question de savoir pourquoi il garde l'embonpoint et il se maintient. Je suis content parce que je n'ai pas envie qu'il subisse le même sort que nos légendes que nous connaissons dans ce pays. Ouais. Et je sais qu'il y travaille pour. Ouais. Moi, je le mets à la même trempe que Kadi Diawara, paix à son âme. Je le mets à la même trempe que Kelfala Kanté, que j'ai aussi beaucoup aimé, avec sa voix et tout ça, qui ont des voix uniques et qui ont émerveillé nous qui étions jeunes. Merci. On aimait d'autres genres musicaux, mais ce sont des musiques que lorsqu'on passait, on écoutait, on ne pouvait pas se passer sans tendre l'oreille. Et moi, c'est un monsieur, au-delà de, comme tu disais en bas, au-delà du fait que je savais un jour j'allais le rencontrer, ouais. En tout cas ce serait quelque part à l'aéroport ou un truc ou quelque chose comme ça, mais qu'il soit assis à côté de moi, je veux tout simplement lui dire que cette émission-là, ouais. On peut passer 2 heures qu'en train de vous faire des émotions. Justement. C'est... Allez, je vais même demander à Baron de voir dans quel contexte on peut faire espace and friend, pourquoi pas, c'est plus simple. Ça va, Bambino? Ça va, mon frère. Voilà, tu es... Comme je suis en face de toi, ça va. et d'ailleurs, le nom en dit long, hein. Bambino. Merci beaucoup, Bambino. Alors, oui. 40 années de... Je pense que c'est bien cela. Carrière, oui. 40 années de carrière à célébrer, c'est bien plus qu'une vie. Ouais. Amadou Soudia, il faut le rappeler. Ça ferait 2 vies à Diba Milimuno. Vous avez donc du... Vous avez donc du vrai parcours, un très très beau parcours. Moi j'ai envie quand même de poser cette première question. Ce parcours est nourri de quoi? De quoi? De quoi? Sur ces 40 années, Sékouba Bambino. Bon, d'abord, bonjour tout le monde. D'abord, ça fait grand plaisir quand même
Vous savez, 40 ans n'est pas 40 jours, c'est pas 40 mois. Ouais. Hein, ni 40 ans, ouais. Ni 40 semaines. Hein. Ouais. Fêter 40 ans d'Amadou Soudia, pour moi, c'est tout à fait normal, puisque c'est une école qu'il a, il a prouvé vraiment ses talents au monde d'Afrique, au monde de la Guinée, au monde du monde entier. Donc, si Dieu donne la chance aujourd'hui qu'il est vivant, il se porte bien, il est en bonne santé et qu'il fête son anniversaire de 40 ans, je crois que chacun de nous doit venir la soutenir et puis l'applaudir. Moi, je crois que c'est ça. Ouais. 40 ans de carrière, évidemment, avec Amadou Soudia, beaucoup d'artistes d'ailleurs hein, qui vont faire le déplacement. On a Sekouba Bambino pardon, avec nous ce matin. Ami Sako, Aïcha Kone, entre autres, seront là aussi. Fousseni Fakouli, qui est avec nous également, qui vient du Mali, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Merci. Voilà, ça vous fait quoi de participer à cet anniversaire incroyable, j'ai envie de dire, 40 ans de carrière. Ouais. Vous êtes malien? Mali et Guinée, c'est pareil à la fin c'est du compte. C'est clair. Ouais. Lui, d'abord, je vais vous interrompre là. Okay. Lui, déjà, okay. il est guinéen-malien. Il faut commencer par ça. Ok. Puisque sa ville natale est plus proche de Siguiri que Bamako. D'accord. Voilà. Tout comme Bambino est guinéo-malien. Voilà. On va dire comme voilà. ça. Comme ça, Poutine. Voilà. Notre Poutine. Voilà, à la réalisation. Voilà. Allez-y, Fousseni. On ne peut pas dire en fait, le nom chance. De Poutine. Voilà. Bonjour tout le monde. D'abord, c'est une chance pour moi. Ouais. Parce que moi, ce sont mes devanciers. J'ai eu à beaucoup écouter Amadou Soudia. J'ai eu à beaucoup écouter Sekouba Bambino aussi. Moi, ce sont mes références, en fait. Pour moi, être parmi eux pour célébrer ces 40 ans de carrière, c'est une bénédiction pour moi. Bien. Car Amadou, il a beaucoup fait pour la musique mandingue africaine. Ouais. En quoi, si on vous demandait de le qualifier, vous direz quoi exactement, Amadou Soudia? Il fait partie des légendaires. Ouais, on parle de parolier, ça c'est rare. Franchement, parce que là, en écoutant ses compositions, ouais. on sent qu'Amadou, franchement, il est très loin. Ouais. C'est quoi l'héritage de ces grandes figures pour ouais. vous? C'est pas à eux que je vais poser la question, mais c'est ça. Ouais, il est jeune lui. Mais hein. à vous qui êtes de la postérité de c'est ces ça. Gens, mmh. c'est quoi leur héritage pour vous? Pour nous, leurs paroles. Et pour l'Afrique même. Leurs paroles et puis leur parcours, c'est quoi? D'accord. C'est des belles exemples pour nous. Ouais. D'accord. Parce que moi, je crois qu'il faut, pour franchement faire de la vraie musique mandingue, ouais. il faut écouter les Bambino, les Amadou Soudia, ouais. les Kerfala Kanté, parce que franchement, ouais. ce sont des paroliers. Ouais. Je veux dire, je vous écoute. Allez-y. Parce que là, c'est franchement, c'est des exemples pour la nouvelle génération. Il faudra qu'on suive leur parcours. Exemple, parce que vous parlez de paroliers. Ouais. Est-ce que ça en manque aujourd'hui dans la nouvelle génération des paroliers? Des paroles. Voilà. Et pour vous, c'est plutôt à vous que je veux poser cette question. C'est quoi le succès? C'est quoi le secret? J'ai envie de dire sur la parole. Comment se démarque-t-on en tant que artiste, chanteur et parolier surtout? D'abord, lui, c'est un grand parolier déjà. Des grands gueules. Bon, moi, je crois que pour chanter, c'est vrai que quand on dit le chant, tout le monde chante, même les oiseaux. Mais c'est la parole là qui, chez nous, la musique mandingue, la vraie musique mandingue d'Afrique, mandingue, c'est les paroles. Ouais. Et cette parole là aussi, il faut des paroles de sagesse aussi. Voilà, c'est très important, positif. Vous les prenez où? Parce que la jeune génération, pardon, hein, nous, on déteste les vieux, on déteste la sagesse. Mm-hmm. Nous, le jeune qui est un peu sage, on dit, lui, là, il réfléchit trop, il est vieux. Alors, vous l'appuisiez où? Vous construisez ce patrimoine comment? D'abord, vous savez déjà, il y a nos instruments d'avant, comme le ngoni, le balafon, on ne le jouait pas comme ça. Ouais. Voilà. La koura, quand on le joue, il donne une note. Mm-hmm. Les notes là aussi, chaque note donne une parole. Ouais. Et puis ce côté orchestral aussi. Voilà. Vous avez eu la chance d'intégrer dans les orchestres. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il y a des home studios partout. Ouais. Un gamin peut se lever comme ça, ouais. sans consulter personne. Et puis il s'inspire de
quelque chose voilà comme non, ça quoi et puis le côté vulgarité dans leur texte moi ça en tant que jeune aussi ça me vexe parce que l'homme part mais la parole elle reste quoi. Justement c'est la question que je voulais poser. Je voulais avoir les sentiments du grand frère Sekouba Bambino sur cette nouvelle génération. Quand je parle de nouvelle génération, je m'intéresse particulièrement à cette nouvelle génération guinéenne qui, pour moi, ma foi, se perd un peu. C'est vrai qu'ils ont envie de s'adapter à la musique moderne. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux t'asseoir avec ton ordinateur dans ton salon avec le simple et composer ta musique et chanter, vas-y, etc. Mais ils citent des instruments. Ce sont des instruments à l'époque qui, au-delà de la parole, transmettaient des messages. Transmettez des messages. Est-ce que vous vous sentez un peu amer que tout ça, ça puisse disparaître aujourd'hui? Tout à fait. Parce qu'on n'en entend plus. On n'en entend plus. Tout à fait. C'est dommage, mais je crois que il faut que chacun de nous apporte quelque chose, qu'on revienne sur ça. Mais ils savent même plus le jouer. Ah oui, mais on va les obliger. Ils vont le faire. C'est bien déjà parce que en parlant un petit peu de transmission, on voit aujourd'hui que tes enfants, évidemment, ont suivi le même chemin. Je parle d'Alpha Baba, ta fille également aussi, même si évidemment c'est pas vraiment dans le mandingue, j'ai envie de dire. C'est pas la même musique. Ah oui, c'est clair. Voilà, je dois aussi lui poser la question. D'accord. C'est vrai que je rase les autres, mais il y a aussi vos enfants qui modernisent un peu, qui font à l'anglophone, etc. Il n'a pas droit sur ça. Non, pour ça, il a raison. Attention. Oui. Mais il n'a pas droit sur ça. Laissez-le répondre. Oui. Laissez-le répondre, attention. S'ils critiquent les autres qui ne suivent pas leur chemin, à un moment donné, je suis bien d'accord que les enfants puissent faire d'autres musiques, mais revenez un peu à la source, quelquefois. Un album. Il ouvre le micro en même temps. Un album, il a raison. Voilà, écoutez-le. Je donne un exemple. Parce que Bambino n'aime pas m'écouter. Étant à Paris là-bas, non, t'écoute. Pendant nos passages sur Festival Africolor, regarde, il nous impose que les chansons Bémé Agaz, ça veut dire que ça a de la valeur. Ça, c'est des chansons qui datent, moi, en tant que moi, vous voyez, on m'impose les trucs de Bémé Agaz. Je me dis souvent, ben après, qu'est-ce qui nous manque, nous, la nouvelle génération? La question de Roby a tout son sens à un certain niveau. Il y a des choses qu'on peut banaliser, mais tel que vous les présentez, ce sont des dépositaires aujourd'hui. Le sens de ce mot, c'est que vous avez la vocation, le sacerdoce même, de transmettre ça pour que ça ne disparaisse pas. Et en commençant par chez soi. Ouais. C'est le sens de la question de Roby. Oui. Je voulais en venir. Bon, c'est vrai que pour moi, déjà, ça se trouve dans leur sang déjà. Ça est là déjà. Ça, c'est obligé. Il commence par ça d'abord. Mm-hmm. Mais comme on est dans un pays aussi, dans un monde aussi, je les laisse aussi faire leur monde d'abord. Parce que pour ça, ce que moi j'ai fait là aujourd'hui, ça c'est comme leur frère, leur petit frère ou leur grand frère. Ils sont nés avec ça. Ça c'est à la maison. Donc je les laisse tenter leur chance. Puisque là-bas, quand on est en Europe là-bas, il faut, même si on n'est pas griot, on n'est pas bon musicien, il suffit seulement que tu... Mais est-ce qu'ils savent le faire vraiment? Est-ce qu'ils parlent bien malinké? Ah oui. C'est le malinké qu'on aime avec le proverbe. Est-ce que tu connais le Sigirinka? N'oublie pas, la plupart de mes enfants sont tous nés ici. Oui, mais voilà. Oui, c'est clair. Oui. Et ils sont tous partis à Sigirinka aussi. Alors, on l'appelle aussi, c'est l'ambassadeur aussi, il faut le dire, l'ambassadeur de l'UNICEF. Alors, Sekouba Bambino, moi je suis très fier de savoir aujourd'hui que vous venez pour accompagner un des vôtres. C'est bien Amadou Sodia, une autre icône. C'est rare qu'on reçoive d'autres artistes qui viennent accompagner des artistes qui ont, par exemple, des activités. Je crois que c'est très intéressant. Ça serait bien. Je pense un peu à Mori Djelidine Kouyaté, qui est aujourd'hui malade. Qui pourrait être aussi là. D'autres grands artistes, comme vous le faites, venir aussi les accompagner. Ça, il faut le dire, on ne dira pas assez
plus que ce que Tamba a dit sur ce que vous êtes. C'est une légende. Très bien, je pense parce que moi, je pense encore à vos albums Kassa et Bonia. Je sais bien comment j'ai bu ça à un moment donné de ma vie. Ah, alors, merci peut-être double album. La suite, c'est quel va être le programme de ces célébrations des 40 ans? C'est le 18 novembre. 18 novembre, ce sera où? Au chapiteau. Au chapiteau, ben, d'accord, c'est... est-ce qu'il y a un pass? Ça coûte combien pour. Ben, voilà, pour ça, et, évidemment. Pour... Voilà, la conférence de presse d'ailleurs est prévue demain à 10h, hein, voilà, du côté de Baïssa, avec Sekou Baran, évidemment, et qui nous allons voir. Si vous le permettez, moi je t'invite ce soir hein, dans Espace and Friends, on va faire une émission de 3h. On commence d'abord à la maison. Oui, on commence à la maison, évidemment. Ça fait longtemps. On a beaucoup de choses à se dire, voilà, on sait. Dire, voilà. Depuis 1997. Là, il se joue les vieux. Hein. C'est ça que je disais tout à l'heure. En montant l'escalier, là, j'ai dit le gars. Est-ce qu'il a une fois écouté une seule de tes musiques et qu'il sait l'interpréter? 40 ans d'amitié, comme. Ah oui. Ah oui. Laquelle? Et Kassoumama. Kassoumama, il y en a beaucoup, sincèrement. Marie Adore, il y a beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bambino, d'être passé nous voir. Merci à toi, Fousseni. Voilà, à vous qui nous regardez hein, du côté de Bamako, mesdames et messieurs. Le rendez-vous, donc, c'est le 18 du côté de Chapiteau Baïssa, évidemment, 40 ans de carrière. L'ambassadeur Amadou Solia, donc, AFI. Et bien, pas que Bambino, hein, pas que Fousseni. Il y aura, entre autres, hein, Ami Sako, Aïcha Kone. On aura également Dianka Diabaté, la divine, qui est aussi à Conakry, mesdames et messieurs. Eh bien, comme je le disais tantôt, la conférence de presse, c'est demain, 10h, au chapiteau Baïssa. Et puis, pourquoi pas ce soir? On verra avec Baran si on peut évidemment avoir cette icône avec nous ce soir dans notre émission Espace and Friends pour une programmation très spéciale. Allez, on va se retrouver à 11h pour revenir avec d'autres invités pour continuer l'émission avec toute l'équipe. Les grandes gueules continuent.